Salut à tous, c'est Blarod, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. J'ai réussi à monter ma belle à 24 000 de maîtrise. Il m'en reste vraiment pas beaucoup pour avoir son titre. Donc, comme la dernière fois, on va monter sa maîtrise ensemble. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, c'est très simple, je l'ai juste énormément joué. Je l'ai également monté en 30 avec Yu quand j'ai joué avec lui. Mais aussi, une petite stratégie secrète, c'est que je suis allé sur Discord et j'ai demandé à des gens de faire la Mega Pig avec eux. En Mega Pig, on gagne exactement le nombre de maîtrises qu'on a comme si on jouait en trophée. Et comme j'étais en 30, eh ben, j'ai gagné beaucoup de maîtrise. Et maintenant, je suis là et tout va se jouer dans cette vidéo. J'aurai exactement 45 minutes pour monter la maîtrise de Belle en random à 1000 trophées. Donc voilà, au vu des conditions, peut-être que ça va pas être possible. Ça va être assez dur. En plus, je risque de dérusher. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Discord, mais le mien vient de réouvrir. C'est là-bas que je vous demanderai tous les conseils que vous pouvez m'aider pour les vidéos. Mais bref, nous on va commencer. Il est exactement 4h38 à l'heure où ça commence. Allez, première game, on est contre Daryl Kit. Et voilà, c'est un peu la sauce. En gros, Daryl Kit, c'est peut-être la composition la plus forte actuellement. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rusher. Bon, vous l'avez entendu et surtout, vous allez le voir. Daryl Kit, c'est juste trop fort. Et les gens en profitent sans vergogne, surtout en hors-jeu, donc c'est juste injouable. Mais le problème, c'est que Belle est surtout forte dans ce mode. Sauf qu'actuellement, il n'y a que deux solutions pour gagner à haut trophée. C'est soit jouer la compo Daryl Kit, soit jouer la compo qui va les contrer avec un Byron et un RT. Et ça tombe bien, sur les trois parties, je suis tombé sur deux Daryl Kit et une compo counter. On n'a pas pu gagner contre la compo counter, j'ai pas eu des mates très galbés, et contre Daryl Kit, ça ne sert à rien d'essayer. Donc voilà, trois parties, trois défaites, la vidéo commence bien. On aura perdu quasiment 10 minutes là-dessus, y a rien à faire. Bon, ben, au moins on donne des victoires gratuites aux gens. Encore outsider, ben, décidément. Je vais aller en classer. Je vais aller à classer, changement de plan. Voilà, vous aurez vu le random à 1000 trophées, ben, c'est impossible. Bon, en classé, du coup, je vais faire que pick Belle, ça va pas être le meilleur des picks, va falloir que je banne bien. Et là, sur Flipper, j'ai envie de bannir Dynamite, surtout que je suis first pick, je vais first pick Belle, il va forcément pick Dynamite. Ah ben c'est déjà ban, donc je vais ban Surge parce que je déteste Surge, mais je déteste aussi Meg. En Rebel sur cette map, c'est pas si naze que ça. Normalement, ça devrait aller, mais là voilà. Tout le début de la vidéo, c'est moi qui perds. J'ai même pas pu vous montrer mes talents avec Belle. Ok, on a un Grom, c'est cool. Parce que autre point faible du brawler, c'est que ça ne détruit pas du tout les murs. Allez, allons-y. Sur cette map, c'est plutôt cool. Normalement, je me focus. Je suis en légendaire, légendaire 2. Légendaire 2, donc. Touché. Touché. Oh, mais attendez, c'est un truc de fou. Est-ce que je propose? Et voilà, dès qu'il n'y a plus des Daryl Kit, ça devient plus facile. Poser un trap. Hop. Bon, faut pas que je m'enflamme. Là, je vais leur foutre la pression. C'est très bien ce qui se passe. Faut pas que je le feed. Ok, je vais la laisser sur le côté. Je me suis mis dans une position de con, franchement. Oui, tiens. C'est un peu des bots hein, en face, franchement. Tu m'étonnes que je les touche. Là, je vais auto-aim comme un porc. Parce que je peux. J'ai le droit. Là, c'est super pour. Super pour faire plus de dégâts. C'est bon, c'est un but normalement. Allez. Ouais, je suis con, je suis trop con. Mais après, non, en vrai, je suis pas si débile parce que là, Elisa a un gadget, donc elle m'aurait repoussé quand même. J'ai raté mon super. Oui, bon, le Poco commence à avoir son hypercharge. C'est bien qu'on rentre à moi. Est-ce que là, j'ai les HP? Si j'esquive. Ouais, non. Je vais safe. Yeah. Ok. J'aurais pas du auto. Et... Ouais! Non, quel dommage! Par contre, la bibis qu'elle a mis. Bon, est-ce qu'on peut rentrer à un moment, s'il vous plaît? Allez, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, on a passé quasiment toute la partie chez eux. Allez, spawn kill. Bon, j'attends qu'il y ait plus le super de spike. En vrai, si Grom avait un peu plus pété les murs. Bah, là, il y a but. Non. Allez, c'est bon. Enfin. Oh là là. Bon. 10 minutes qu'on a commencé. Il marque son premier but. Normalement, cette partie s'est gagnée. Donc, ça nous fait de la maîtrise. Même si on perd la partie Power League, on gagne de la maîtrise à la fin. Donc, là, on est déjà à plus 80. Je commence à douter du challenge. On a gagné. C'est pas mal. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on perde la prochaine. Après, le truc, c'est que j'ai été tellement incisif au début de la partie. C'est pour ça qu'on les a acculés. Donc, il va falloir que je sois tout aussi bon. Hop. Hop. Bien. Ouais, c'est bon, je touche. Ça touche. Et bien, ce qui se passe, toi aussi, t'es touché. Certainement pas de dégâts, ce perso. Hop là, petit piège. Fonce, fonce tout droit. Vas-y, Bibi, vas-y, let's go. Les mecs, après ces trois premières défaites en hors-jeu, je vous jure, mon énergie vitale a été tellement drainée. Là, je me suis dit, j'avais envie de couper le rec. J'aurais pu couper le rec, hein. Je suis un peu débile, hein. J'aurais pu commencer la vidéo. J'aurais pu commencer la vidéo là, mais c'est pas grave. Au moins, je suis un youtubeur honnête, c'est le but. Chez à nous. Ok, normalement, je suis le joueur star. Oh, ok, bon. Non, c'est pas juste. C'est pas juste, mais du coup, ça me fait 170 de maîtrise. Ok, plus que. J'ai la flemme de compter. J'ai la flemme de compter, mais
sachez que c'est un peu chaud quand même. Là, j'ai de la chance, je tombe sur des mods et des maps où Belle est forte. Là, j'ai envie de ban Jean. Franchement, ça m'embêterait Jean avec le modificateur tir rapide. J'espère juste que Belle sera pas pique parce que sinon, ça serait trop malaisant. Non, prends pas l'eau là. Pitié. Ah, quoi que si, c'est tir rapide. My bad, vas-y. Je laisse cook. Franchement, je laisse cook. Je pense qu'on a des teams à peu près. Ils veulent peut-être le Léon peut vraiment nous embêter, mais j'ai des pièges. Même c'est que là, ça va jouer à qui sera la meilleure entre moi et Piper. Piper, ça a la portée en plus d'avoir les dégâts. Je suis pas très galbé là. Là, c'est mon moment. Franchement, tout va se jouer sur cette game IMO. Voilà. Si j'en gagne pas une là, ça va être très difficile de continuer le challenge. Ok, là, c'est parti. Le Léon est master je ne sais combien de générations, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu jouerais avec des légendaires Léon? Hop, touché, coulé. Oui. Pour l'instant, ça va. Il. Je régène, je prends l'étoile bleue. Ok, j'ai été meilleur. Ouais, bah, meurt. Oh là là, ok, j'ai dit que ça se jouerait à qui est le meilleur entre moi et Piper. Je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, allez, c'est reparti, round 2, Piper. Pardon Piper, désolé, t'as manqué de respect. Oh merde. Là c'est la sauce, j'aurais pas dû la défier comme ça. Je voulais le faire pour le divertissement. Mais c'était une mauvaise idée avec Belle, normalement. Si la Piper... Tu es le pitié. Ok, c'était rentable, il a rapporté une étoile. Oui, normalement avec Belle vous perdez contre Piper. Enfin, la logique veut. Ok, la Piper s'est pris là les dégâts, va reculer. Comme c'est pas lui là. Allez. Tu es lui, hein. Nice. Ok, on est repassé devant, je vais mettre un piège. Nice, mon petit Grom. Ça, c'est du Grom qui Grom. Ok, c'est parfait, je suis en stress. Je suis focus, comme j'ai jamais été. Je vais protéger ma Lola. Protéger de qui? Je sais pas, je suis en train... Là, on est en déséquilibre, c'est un peu chiant. 30 secondes à tenir. Le lion peut être n'importe où. Ah non, il est toujours pas invisible. Je vais pas lui donner son invisibilité. Le Grom est... En 1v9 gay. Ouais, je protège mon Grom en vrai par-dessus tout. Un petit piège. C'est bien que j'en touche un. Nice. Allez. Let's go. Oh là là, mes pièges, ils ont carry. Ça fait 82 maîtrises. 85 de maîtrise. Ok, mec. Va-t-il réussir à maîtriser sa Belle? J'étais en sueur. Franchement, je trouve que j'ai bien joué. La vidéo maîtrise Cordelius. Là, mon niveau était vraiment cracra. Je dis pas que mon niveau est bon, là. Je suis pas le meilleur des snipers. D'habitude, les snipers, pour tous les jeux, c'est vraiment pas ce que je préfère jouer. Allez, yes! Hop. Voilà, un truc que je maîtrise pas trop, c'est tirer avec les murs. Se déplacer, là, comme je le fais, là. Bon. Hop. Allez, Léon. Va être là. Bon, je vais mettre un piège, je pense pas qu'il est invisible. Non, toujours pas. Hop là, touché Léon. Grom carry. En vrai, Grom, c'était tellement le pic. Je pense qu'on a gagné à la draft parce que Grom défonce Lori. Base. Moi, c'est bien, j'annule la présence du Léon. Alors, s'il fait ça, ça va être un peu plus embêtant. Et là, c'est la sauce. Oh là là, il va... Et Léon s'est pris les pièges. Là, c'est vraiment pas beau ce qui se passe. Allez! Ah, c'est moi, je sers à rien. Je sers à rien. J'ai tout raté. Voilà, je me jetais des fleurs. Kid Grom, toujours le héros. On va être obligé de reculer. C'est pas mal. Faut que la Lola l'avance. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah, je crois que ça va être lose. Et c'est 3 rounds dans une partie classée. Ok, j'ai gagné mon. On a gagné. Oh, je suis un goat. Je suis le goat. Ah, les gros nazes. Let's go. Alors, normalement, on a gagné. Normalement. Ouais, le Grom est un goat. Allez, ben voilà. J'ai own la Piper. Et voilà. Grom star player, je pense. Oui, logique. Mais j'ai été galbé. J'ai été galbé, donc on enchaîne direct. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ok, on est à 474. On est en braquage. C'est pas mal. Franchement, cette map est vraiment cool pour Belle. Juste, je vais pas faire beaucoup de dégâts au coffre. Franchement, je vais ban Angelo. Ça me paraît assez malin. Angelo, c'est pire que Piper pour moi. Je suis à 2 parties, 2 victoires. Donc, c'est possible. Je regarde l'heure et je me dis que c'est possible. Faut juste être meilleur. Byron, sur cette map, je suis dubitatif. Le problème, c'est que si je prends Belle, on va vraiment manquer de dégâts, mais bon, j'ai pas le choix de prendre Belle. Hein. Nous, la vidéo, ça serait je monte en Power League. Pas de ça ici. Oh là là, on aura tellement peu de dégâts. Bon, nous, ça sera tout sur la défense. J'ai trop peur. Le problème, c'est qu'on peut pas casser les murs, ils ont un Rico. Moi, je dirais qu'on perd la draft. Voilà, à part qu'ils ont un Clonty pour 10 en plus. Bon, allez, c'est parti. Gaël sans hypercharge. Je suis dubitatif. Quoique, ok, j'ai rien dit. Les mecs sont archi chauds avec moi. Le mec s'appelle RZM en plus nul. Ça me met très très bien. Et je comprends pas pourquoi ils sont légendaires s'ils sont. Enfin, ils sont stars. Bon, j'en ai touché un, c'est bon, ils vont commencer à. Voilà. Byron et moi, on a des dégâts résiduels tellement importants. Faut juste les toucher. Nice. Il faut gratter. En fait, il faut gratter. C'est la game du grattage. Là, j'ai réussi à mettre 3 recharges. C'est vraiment bien. Je suis parti des fétis trop vite. Non, je vais donner des recharges. My bad. Il a. Let's go. Ok. Désolé, c'est le tryhard absolu. En vrai, bon, c'est facile la classer, mais je suis quand même un elo où les gens, je dirais pas qu'ils sont bons, mais ils savent un peu jouer. Ils savent utiliser les boutons. Alors que à bas trophée, non. Notre team est trop fort en fait. Parlez trop vite. Je suis désolé. RZM en plus nul. Tu n'es pas RZM en plus nul. RZM en plus fort. Sache que j'ai déjà joué avec RZM, je sais. Hop là.
Oh putain, j'ai raté mes trois rouges. Ah, c'est désespérant. Nice. Ah, c'est mon plus nul, tu es mon héros. Faudrait gratter là parce qu'il commence, à avoir du répondant. Et c'est pas mal, on fait quelques pourcentages. Je vais remettre un piège. Le Rico a une hyper. Je sais pas combien il peut mettre un Rico sous hyper, sous dégâts. Oh bordel. Le plumeur. Ok, j'ai réussi à retarder le moment où on va se prendre full pourcentage de quelques secondes. Je me suis essayé les visages avec mes doigts, mais non, j'ai les doigts qui glissent. Lui commence à être fini. Ok. J'ai voulu super pour le finir. Il ne touchera pas, jamais. Il ne touchera jamais. Il m'a touché. Genre gentil à la portée là. Pitié, faut pas affiler le Rico. Pitié. Por favor. Ok, c'est trop la merde là. Je sais pas s'il est capable de faire autant. Aidez-moi, par pitié. Aidez-moi. S'il vous plaît, ma team. Allez, ok. Oh là là, le Rico, faudrait que j'ai un compteur de BPM. Mais je vous jure, le Rico a dû faire monter mon BPM parce que je pouvais pas le défendre. Et si j'allais dessus pour le défendre, il allait gadget me tuer et avoir un super hypercharge. Je pouvais juste l'observer, faire descendre mes pourcentages, c'était horrible. Horrible pour le mental. Bon, c'est bien, on a réussi à gagner une game. C'est super positif en vrai pour la maîtrise. Merde, j'en ai pas touché un. Bon, il est mort. Vas-y, c'est pas normal que Belle puisse pas tuer Rico en 3 coups, genre. Quel sniper ne le peut pas. Aidez-moi, je ne peux rien faire face à Rico. Pitié, la team, il est trop chiant, ce brawler, je le déteste. Franchement, c'est trop débile. C'est tellement déséquilibré, je trouve, Rico. Impossible de perdre ta lane avec Rico, et voilà. Oh là là, c'est perdu. Allez, oh là, j'en ai rien à foutre, super. J'attends un peu. Tous mes efforts vont aller sur le fait de stopper Rico. Je sais pas si on a les dégâts pour remonter les pourcentages. Honnêtement, je ne pense pas. Ok, RZ est mon plus nul. Rico, t'es mort. Ah, ça va être chaud les pourcentages. Brock a un super en plus. Bah, il est con. Ok, Brock est un peu débile. Le tout, c'est d'y croire. Je m'en fous de feed sur Rico. Là, c'est les pourcentages. Oh. Et j'en ai tué un. Oh, dommage. C'était la seule chose à faire. Ouais. Je voulais finir avec mon truc. 54%, vas-y, je vais commencer à faire. C'est bien, c'est que Rico peut pas m'ignorer. Ok, lui il est stage 4, c'est terrifiant. Le Byron, je crois que le Byron va être un héros. No fake, le Byron est un héros, j'y perds. Et merde. Allez. Non, quel dommage. Oh, quel dommage, j'aurais pu mieux jouer, mais c'était chaud. Bon, vas-y, là, sur cette partie, je sais, je n'ai qu'un seul objectif. Et c'est le Rico. Les mecs, mon cœur, bah, mille à l'heure. Alors que c'est qu'une maîtrise, hein. Imaginez, hein. C'est pas grave. Non, mais soyez pas toxiques. Juste, ils ont un brawler complètement débile. Non. Et... Vas-y, faut, si je le touche pas, je suis trop nul. Voilà, je vais pincher Rico. C'est bon, il est mort. Bon, faut mettre des pourcentages. Le problème, c'est qu'ils ont tellement... Putain, faut pas que le crabe me touche. Viens le crabe. Mettre sur le cop, ça va rebondir sur le crabe et il meurt. Voilà, toi, tu passeras pas. Je suis en train de feed le crabe comme un porciné. Ok. Alors, Rico, on peut pas m'atteindre de là? Alors, les nazes. Dans lui. Ça fait trop mal. Tu vas être là. Let's go. Byron, RZM. RZM, soigne-moi. À un moment donné. RZM, soigne-moi, je t'en supplie. Encore plus. Ok. Non, frère. T'es passé au travers. Ok, il est mort. 61%. Je sais pas c'est quel niveau de tryhard là, dans lequel je suis, mais... Oh non. Non. Faut pas qu'il passe. Je le bloque l'entrée du village. Yes, go. Ok, c'était plus dangereux. Oh oui, j'aime mes mates. Franchement, j'aime mes mates. Bravo. Bravissimo. Je vais vous faire une confidence. Si j'étais pas en vidéo, à la fin de la partie, j'aurais spin. Mais au moins, je suis honnête. Parce que là, la partie m'a tellement tendu, il faut... C'est pas fini. Rico, il est hyper. Oh. RZM. Oh, RZM est un héros. Oh, il est stage 4. Ok. 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 Wouah, désolé, je parle pas, mais faut se rendre compte. Oh, j'ai été joueur star en plus, j'ai même pas fait gaffe. Donc là, j'ai le temps de lancer une dernière game. Donc il faut absolument que je la gagne, ça va être super dur. C'était ma bonne chance. On est en primo, on est exactement sur la même map que la dernière fois. Bon, faut juste prier pour pas qu'il banne Belle. J'ai encore des séquelles de la game d'avant. Franchement, je n'en reviens pas, Grom n'est pas banni, il faut absolument prendre Grom. Par pitié, Paul Favol, prends Grom. Ok, il prend Colt. En plus Byron, je trouve ça tellement OP, c'est tellement relou comme brawler. Ils ont pris la triplette, voilà. Pas ce qu'il pourrait pique de malin. Ben, Grom. Non, mais non, wesh! Hein? Aussi, non, j'ai rien dit, pardon. J'ai été un haineux, je l'avoue. Corbac a de l'antil, donc c'est assez malin. Pardon. Enfin, je pense que je stresse plus, ou en tout cas, j'ai plus la pression que pour mon jean rang 35. Parce que tu vois, mon jean rang 35, j'étais vraiment accompagné. C'est pas parce qu'il a le plus de trophées en France que c'est le meilleur joueur, mais de l'un des meilleurs joueurs français, c'est peut-être sûr. Et de Yu-Yu qui est excellent. Et là, je suis seul, je suis face à moi-même. Portée de ce. Pitié.
ça ne fait aucun sens. Vas-y, il faut que j'aide mon Colt. Ça fait aucun sens que Angelo puisse se déplacer rapidement. Voilà, la messe a été dite. Unpopular opinion. Bon, bien fait de pas m'avancer. Ok, je vais toucher, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. On est en train de perdre quand même. Pour rappel. Attends, son pic crow, ouais, je suis un peu vite. Wesh, comment il m'a touché? Comment? Je suis un goat. Je suis un goat. Oh, oh là 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 là. Bon, la Piper utilisait 3 gadgets déjà, je crois. Ou 2. Donc, pourquoi pas je vais mettre un gadget là parce qu'on est long. Alors lui, ok. Ouais, il a plus de gadgets, la Piper. Wesh. Un peu paniqué, mais ça passe. Allez. Quoi? J'étais sous shield, ça met 3000. Ah, peut-être que c'était la dernière seconde où il y avait mon shield. Ah, moustique de con. Ils ont perdu qu'il arrive. Je vais protéger mon Colt comme si c'était mon fils. On a perdu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On aurait pas dû serrer. Oh là 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 là, c'est catastrophique. On aurait pas dû serrer. C'est moi. C'est 100% moi. Désolé, team. C'est pas grave. Faut rester positif. C'est juste dur. Bon, on a l'étoile. Oh, ça dégoûte un peu. Merde, ils ont longtemps, lui faut l'aider. Mais je comprends pourquoi le Colt il a pas pris le truc pour percer les murs. Je sais pas si ces murs ils sont indestructibles. J'arrive pas à savoir. Je pense que oui. Hein. Normalement, cette map c'est indestructible les murs. Ok, non. Ils le sont pas. Colt régène. Je t'en supplie. Ok, ils prennent pas mal de dégâts de moi. Nice. Nice. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Désolé, mec. Je parle. Pas vraiment pas, mais vous me comprendrez. Merde, vas-y. Ok, il est mort. Okay. Oh belle, le brûleur de goat. C'est pas pour rien que je le maîtrise. Bon là, on va répéter les erreurs du passé. Un dernier kill, ça me traîne bien. Non, meurs pas. Je t'en suis. Punaise, c'est trop chaud. Oh Byron, j'en ai marre de ce brûleur. Pas normal de soigner autant, non mais... Oh, quel brawler débile. Bon allez, ok, on est de retour en Brawl Ball sur la même map que la dernière fois. Il est 13, je sais pas si on aura le temps de faire deux parties, donc on peut peut-être considérer que c'est la dernière partie tout court. Non, Belle a été bannie. Ouais, je vais dodge. Merde, comment on fait pour dodge? Vite. Désolé, c'est... ne faites pas ça, mais... Là, j'ai vraiment pas le choix, hein. j'ai envie d'avoir le titre de ma Belle. Bon, là c'est encore plus chaud comme map, je trouve, pour Belle. Coq. Ah, le problème, c'est que je suis first pick. Oh là là, je vais devoir first pick Belle sur une map comme ça. Non, do not. Ne fais pas ça. Retiens-toi. Ok, c'est bien. ça va être chaud, mais je vais faire mon mieux. C'est certainement la dernière game, à part si ça se termine vraiment très vite. Bon, si je me prends autant de dégâts comme ça. C'est pas mal. Oh, mais arrête de toucher les... Mais arrête de tirer sur... Je suis trop nul. Je vais aller dans la zone un peu. Nice, parfait, mettre un petit piège. Alors, on est piégé. Faut que je me fasse toucher par la pénie. Par contre, ouais, son mortier va bien nous embêter, je pense. Elle est piégée. Vas-y, utilise tes attaques. Ok. Là, ils sont sur un temps très fort. Oh, quel dommage. J'aurais plus le 2 tap. Bon. On a vraiment un giga avantage sur les pourcentages, faut dire ça. On est un peu low. Spike, nice. J'auto-aim comme un porc, mais il faut aller vite. Bon, on va gratter des pourcentages comme ça, mais là ils sont vraiment en meilleure position que nous, mais genre bien meilleurs parce que ils sont setup, le loup commence à cycler des super, en plus ça cycle tellement bien les super. Donc ouais, ils sont vraiment mieux que nous. Oui, hyper, ce n'est pas un exercice, faut que j'arrête d'auto-aim, mais là. Ok, normalement c'est bon. C'est gagné, il n'y a aucune raison qui ferait qu'on perde. En plus, ça va se prendre le piège, moins qu'elle sache. Ouais, c'est prise le piège, c'est bon, GG. Je pense pas qu'elle était. C'est pas GG du tout. Oh bah normalement si. Y a aucune. En gros faudrait qu'ils arrivent à gagner, à rester dedans pendant vachement longtemps. Faut juste pas qu'on se précipite. Allez. Nice. Il est 18. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce que en gros là, si on perd celle-là, ouais là on peut que gagner. Je pense qu'on peut que gagner. À la limite on peut perdre celle-là et gagner l'autre. Mais dans tous les cas on peut que gagner. Jin. Oh la peur de ma vie frère. Pas bien, on a perdu. Je pense qu'on a perdu. Ils sont setup trop vite. C'est clairement perdu. Oh, il y a 4 à 100. C'est chaud. Il est 20, c'est à 23. À 23, stop. Stop général. J'ai dit qu'on allait changer de side. J'ai menti. Allez, elle meurt. Toi aussi, tu meurs. Je t'aime comme un con. Ok. Allez. Oh, non, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ok. Mais pourquoi elle est si forte pour esquiver? Je ne comprends pas. Peut-être que je suis si nul pour viser. Oh là 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 là! Vas-y, Jin. Vous allez péter la gueule à son mortier, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non. C'est pas si dégueu en vrai. Le Jin t'arrive bien, hein. Avec l'augmentation des tirs rapides, c'est vraiment fort.
Même c'est le mortier, mais la Penny va mourir. La Penny va mourir. Rodin, c'est tellement fort anti-rapide. En plus, si j'ai hyper pour rien, je voulais aller plus vite. En vrai, c'est pas que si con, ça me permet de remettre sur la ligne, de gratter des pourcentages. Alors peut-être. Elle a bien joué. Elle a bien joué, mais ça ne suffira pas. Non, mortier de con, là. Allez. C'est chaud. Ok. Merde, j'ai feed le loup pour rien. Je suis désolé, je suis tellement focus. Ok, on reprend des pourcents. Non, on reprend pas de pourcents. Oh, il me faudrait une paire. Ok, ok, ok. Allez. 96%. Ok, nice. Oh la dinguerie. Dis-moi que j'ai la maîtrise. Je pense pas que j'ai la maîtrise. Oh si, il est 23. Oh, à la dernière minute. Littéralement, sans trucage. Hein. Réalisé sans trucage. Attendez, je vais aller dans mon historique. Les premières games, c'était en hors-jeu. Donc là, c'était méga tirelire, il y a une heure. Et puis, bon, 56 minutes, je vais commencer à enregistrer. Il y a 43 minutes. Oh, ce qui vient de se passer, les mecs. C'est phénoménal. Bon, j'ai mal joué sur les deux dernières games, en vrai. Mais les mecs, on vient de débloquer Bell. Le titre de Bell, on peut le réclamer. Wow, je vois pas comment j'aurais pu faire meilleur scénario. Il y a aucun scénario, tout est à l'impro, mais... Donc juste, on a perdu qu'une seule game de classé. Ouais, on a perdu qu'une seule game de classé. C'est... En fait, on a été assez performant sur 1, 2, 3, 4, 5 games de classé. On a perdu qu'une seule. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas bien évidemment de le liker et de vous abonner, mais aussi de rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Et je vous dis, c'était Blarod. A plus.